Bonjour Colette, merci d'accueillir TV Murat. Est-ce que vous pouvez me présenter le club photo? Alors, le club photo existe sur Murat depuis 3 ans à peu près. Ce club est composé de 9 adhérents, une dizaine d'adhérents d'ailleurs, qui s'est augmenté au printemps. Ce club consiste à échanger nos savoirs, nos savoir-être tout d'abord, nos savoir-faire ensuite, et nos connaissances. Il faut savoir que le club organise des sorties photos, soit le samedi matin, soit le dimanche matin, une fois par mois. Et c'est vrai que nous sommes une équipe d'amis. Il y a une convivialité qui se fait, qui est très importante. Et surtout lors de nos sorties photos, là, c'est le top. Donc, le club Bonne Vie porte bien son nom. Ce matin, nous étions sur une sortie mensuelle qui consistait à travailler un petit peu le HDR, faire une approche, on va dire, parce que le HDR, c'est pas forcément simple. Le HDR, c'est faire 3 photos à des vitesses différentes, et après, on les met dans un logiciel. Le logiciel, il nous mixte tout ça et il nous sort une photo à peu près correcte. Parce qu'en fait, c'est surtout utilisé pour des endroits où les lumières sont très différentes. Comme une église, par exemple, où la lumière n'est pas trop facile. Donc, en fait, de faire 3 photos différentes, ça permet de mixer et d'avoir une photo à peu près présentable. Quel plaisir vous trouvez-vous dans la photographie? Mais pour moi, c'est un art et c'est une évasion. Mais la photographie, c'est aussi un grand moment de. Ça peut être un grand moment de solitude où on capte des choses que on ne voit pas forcément d'habitude. Ta photo HDR, faut que tu l'enregistres sous. C'est pareil, c'est de la même. Alors, je change Elle pas est plus là. Banale que ça. Deux jeudis par mois, nous organisons ce qu'on appelle des rencontres. C'est-à-dire que chacun vient avec une dizaine de photos sur une clé et on va travailler sur la photo, sur la prise de vue. Chacun a un matériel différent et chacun apporte ses connaissances. Après, le travail sur logiciel nous permet à nous de retravailler une photo et de la faire à notre image, c'est-à-dire ce que l'on voit. Et pour moi, le fait de modifier une photo, ce n'est pas un traficotage, c'est refaire une image comme on la voit ou comme on aurait envie de la voir. Parce qu'effectivement, un panneau, c'est disgracieux, hein, sens interdit, en plein sur une façade de belles maisons avec des belles pierres. L'enlever, c'est pas un sacrilège. Il faut arrêter un petit peu avec ça. La photo, c'est un art. La peinture, c'est un art. Et nous sommes dans le même domaine. Mais l'objectif premier du photoclub, c'est d'avoir une qualité de photo qui nous permet après de faire des expositions. Là, on en a une qui est en préparation sur le thème de la neige. Donc, on a sélectionné une trentaine de photos que l'on va exposer tout le mois de mai à la Maison des Services. Les gens ont un petit bulletin à remplir et en fin d'expo, on tirera la photo et la personne qui aura nommé la photo en premier, ben, on remportera la photo avec son avec son cas.